Et salut tout le monde! Salut, salut, salut! Bienvenue dans cette suite des Gardiens de la Galaxie. Où là, en fait, on va commencer. Forcément, on a terminé la dernière fois. C'est que on est capturé en quelque sorte, récupéré par une secte religieuse qui nous veut quelque chose. Je sais plus quoi, mais il nous veut quelque chose. Donc, on y go. Problème avec le passeport, c'est le clébard qui répond pas. Alors quoi, on est coincé ici? Moi, ces demeurés nous ont laissé nos armes. Ils montrent qu'ils n'ont pas peur. C'est une stratégie de combat éprouvée. Les guerriers cathassiens partent souvent au front entièrement nus. Garde ton pantalon. Ouais, mais c'est une bonne idée pour faire diversion. Ouais, mais non. Bon, quelqu'un a autre chose? Tu sais baver? Plutôt pas mal, ouais. Et te tortiller? Ouais, je me tortille bien. Ok. À mon signal, tu tombes, tu baves et tu te roules par terre. Pendant qu'il regarde d'ailleurs, nous, on se tire par un de ces couloirs. Et je deviens quoi, moi? Eh ben, toi, tu te sacrifies pour l'équipe. Mais ça va pas. Suivez-moi! Allez, Koyul, on va par terre maintenant! Fous-moi la paix, trouve un autre plan! Alors, juste avant, on va changer d'équipement, en fait de comment ça s'appelle? Le costume, t'es en train de chercher. Vous savez, j'avais mis ça vu qu'on était dans un vaisseau. Attends. Dans un vaisseau de Nova, voilà. Dans un vaisseau de Nova. Voilà, beaucoup mieux là. Alors, la matriarche a demandé à nous voir, nous? Oui, elle a été très claire, bien que je ne comprenne pas pourquoi. Peter aussi nous surprend toujours. Enfin, si c'est le premier à se faire laver le cerveau. C'est ce que vous pensez? Que nous lavons le cerveau des gens? On a vu vos derniers convertis. Le mot fanatique est encore trop faible pour les décrire. Ils ont répondu à la promesse de la matriarche. Une expérience transcendante, certes, mais qui doit être acceptée de plein. Quill, son drone, c'est notre porte de sortie. Quoi? Comment ça? Qu'est-ce que vous chuchotez? Eh bien, je savais, Groot. Il demande si vous savez que vous êtes le méchant. Eh ben, en fait, on admirait l'immensité de cet endroit. Impressionnant, n'est-ce pas? La foi en la matriarche lui a rendu son éclat. Tout comme sa promesse. Alors, ce sont des machines, mais ils dansent. Que nous avons. Mais, Amon, cette promesse, elle va ramener les morts. Bien sûr que non. On peut pas ressusciter les gens. Nous, non. Mais la matriarche, le vaisseau divin. J'ai une idée, mais j'ai besoin de temps. Occupe-le. Ok. Venez, approchez. Si j'avais eu l'intention. Waouh, ok, bah dis donc, c'est pas mal votre petit tour. Vous nous expliquez le truc? Sorcellerie. Je conçois que d'aucuns puissent penser de la sorte. C'est la technologie. Mais la science. La science de la foi. La foi n'est pas de la science. Mais l'énergie de foi, si. Cette plateforme, mes inquisiteurs, même notre imposant vaisseau-temple, tout fonctionne avec la même énergie miraculeuse. Énergie que j'ai découvert. Je vais me faire le drone. Fais-le parler. Quoi? Tout de suite. Quoi? Qu'y a-t-il? C'est que, vous avez découvert ce truc et vous prétendez contrôler l'énergie.
L'énergie de foi. Voilà. Mais c'est que j'ai l'impression que cette... Je crois que la question de Gamora, c'est... vous dites que vous avez cette énergie... L'énergie de foi. Voilà, voilà. Mais quand on vous a rencontré pour la première fois, vous veniez d'échouer sur l'espoir d'Allah parce que vous étiez en rate de carburant. Oui, effectivement, mais... Et ben alors pourquoi vous avez pas cru que votre réservoir était plein? Ça ne marche pas comme ça. L'énergie de foi est un résidu de croyance. De croyance concentrée. Ok, d'accord. J'ai des preuves concrètes. C'est notre foi en lui qui nous a permis de survivre. Fuck. Alors, vous disiez... Attendez. N'étiez-vous pas plus nombreux? Quoi? Non! Non! Non, non, pas du tout. Négatif. C'est le genre de choses qui nous auraient pas échappé. En effet. Je vous en prie, continuez votre récit fascinant de... Vous vouliez dire quoi en parlant de... juste avant? De quoi parlez-vous? De quoi vous parlez? Et est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? C'est de lui dont je parlais! Le guérisseur qui a refusé d'inverser la mort de mon fils. Toi, descends tout de suite. Retourne avec Groot. Ouais, je faisais silence. Il n'a pas réussi? Pas parce qu'il voulait faire. L'heure est venue de rencontrer la matriarche. Il a dû mettre quelque chose dedans. Bombe, quelque chose. Bon, on doit appeler lui l'anneau. Mais comment? Si t'avais continué à faire parler le grand arnaqueur, j'aurais pu te répondre. Maintenant, on doit trouver une station relais. C'est absurde. Ce vaisseau est beaucoup trop basse. Eh ben, on pourra peut-être demander à la copine de Will de nous indiquer le chemin quand elle nous aura retourné le cerveau. Allez, arrête. Alors, qui c'est? En dessous, c'est une plateforme qui la soulève. Nikki. Excellence, soyez exaucés. Les gardiens de la galaxie. Merci, grand unificateur. Gardien, approchez-vous. Peter Quill, demande à ta progéniture de descendre immédiatement. Ah! C'est peut-être pas mes affaires, mais... T'es pas un peu jeune pour une robe aussi courte? Tu n'es pas un peu vieux pour écrire ton nom sur ta veste? Oh, Nikki... T'en as mis du temps. Ah. Ouais, tu sais que papy est un vrai moulin à parole. De sortir de là. Suis-moi et ça ira. Mais... c'est ici qu'est notre vraie place. Mm-hmm. Nous allons sauver tout le monde. Elle est manipulée. Je vais pouvoir les sauver, je l'ai promis. Allez, arrête ton cinéma. Tu répètes seulement ce qu'il veut que tu dises. On se calme, on se calme. Tout le monde. Il est né pas invisible. Dans son état normal. Bien sûr que si, je le suis. Mais je suis dans un état multiple. On va pas s'en épée. Encore un bug. Qu'est-ce que tu veux dire? Où est passée ta mère? Maman est là. Elle est juste là. En moi. Super, on est plus avancé. Elle est morte ou elle est quelque part? Voilà, absorbée. Je la croyais partie. Mais je peux la ramener. Tous attendent que nous les ramenions. D'accord. Il faut juste... Ils sont morts ou alors ils sont dans un autre endroit? Le grand unificateur m'a aidé à le comprendre. Mais c'est une grosse arnaque. Crois-moi, je t'en supplie, je m'y connais. Pourquoi tu refuses de croire en moi? Pourquoi tu ne m'écoutes pas?
plus personne ne sait écouter. Alors, je dois leur montrer. C'est la pierre d'infinité ? La pierre de l'âme ? La gemme de l'âme ? Elle n'a pas à mourir, Peter. Tu peux la sauver. Je te le promets. Que ça n'arrive pas, quoi. Oh, Peter. Ce n'est qu'illusion. Oh, Peter, mon chéri. Maman ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment c'est possible ? Tu m'as sauvé, mon ange. Je savais que tu ne m'abandonnerais jamais. J'ai rien fait, j'ai... Regarde-toi. Regarde-toi, mon grand garçon. Tu es devenu un beau leader, comme je l'avais prédit. Peter, je suis tellement fière de toi. Ton père serait tellement fier. Je comprends pas. Je t'ai vu mourir. Est-ce que... je suis revenu ? Tu es ici et c'est tout ce qui compte. On a tout le temps qu'on désire maintenant. Toi, moi, et aussi tes amis. Mes amis ? Bien sûr ! Cette maison peut loger tout le monde. Je rêve de rencontrer ta formidable équipe et que vous me racontiez vos aventures extraordinaires. Bon, comment un peu trop courant. Hein. Alors ça... Tu sais pas à quel point j'en rêvais. Plus rien ne nous séparera jamais, c'est promis, Peter. Je te le promets. Tout ça n'est qu'illusion, mon N'arrive pas à croire que tu sois revenu. Maman, tu me sers un peu fort, là. On va pouvoir rattraper le temps perdu. Lâche-moi, ça suffit. Arrête de me serrer. Peter, tout va bien, c'est moi. Comment tu peux être elle ? Coucou, Babas. Non. Bien sûr que c'est moi, mon chéri. Si ça va pas... Qu'est-ce qui ne va pas, Peter ? On sera ensemble. Comment tu peux être elle ? Pourquoi tu vas prendre tes bras alors que tu sais que c'est pas bon ? Tu n'es pas ma mère. Ma mère est morte. Ça va bien sinon, papa ? Je sais pas si je te l'ai dit. Mais ça... Peter... T'es pas elle. Je ne comprends pas. Peter, je ne veux pas mourir. Mais t'es pas elle, mon gars, ma grande. Tu n'es qu'illusion. Trophée, fils à maman. Mais ça va bien. Allez, tranquillou. Faut qu'on se dépêche. Qui... Il faut tout préparer pour maman, elle va bientôt rentrer. Allez, lève-toi. Encore une illusion. Qu'est-ce que... Encore une illusion. Elle l'a appelé papa, si j'ai bien compris.
quoi ce bordel? Je ne pourrais rester longtemps sur ce stream, y'a pas de soucis. T'es là, t'es passé, voilà. T'es occupé en même temps, je pense, aussi derrière. Donc, il y a aussi. T'es streamé plus tard. Ou peut-être pas là, non, parce que tu m'as dit que t'étais encore un peu malade, donc. Donc là, ouais, donc c'est sa chambre, mais. Attends. Il n'y a pas des trucs de sa veste, mais... J'espère que ça va pas se transformer en épisode de la quatrième dimension. Bah c'est déjà le cas. Vous êtes pas coincé à l'intérieur. Hein? Je me rappelle pas l'avoir enlevé, ni l'avoir suspendu. Pardon. Je regarde s'il n'y a pas d'autre chose. Ok, ouais, non, mais. On va avoir ma tête Bastos aussi dans ses illusions de Nikki et de sa mère. Ma mère t'a laissé avoir des jetbots? Parce que tu l'as convaincu. Pourquoi j'aurais insisté pour que t'aies des jetbots? Parce que c'est trop cool! Attends. Ah d'accord, j'ai cru que je venais de là. Ça peut être ça pour être occupé. Je suis en plein déménagement de ma chaîne YouTube et putain quel boulot. Ah bah mais ça. Je me doute hein, mais regarde-moi hein, j'ai plus de 1000 vidéos à mettre sur la chaîne. Hein. J'ai mis qu'un let's play sur la chaîne. J'ai mis que la tout premier let's play, c'est de The Walking Dead saison 1 de Telltale. Donc j'ai encore énormément de temps. Et j'ai aussi quelques homeworking qui m'attendent. Oh, homeworking, ça veut dire quoi ça? Comment ça va toi? Choui. Ouais, t'as raison. Moi non plus, je sais pas ce qui se passe. Ouais, mais ce n'est qu'illusion. Alors, je sais même pas si quand on était avec sa mère, si on pouvait mourir. Est-ce qu'il y avait un autre chemin pour l'histoire? Enfin, qui ramène à l'histoire principale, mais... Ça fait des années que j'en ai pas vu un comme ça. Où est-ce qu'on pourrait même trouver un chapeau de pirate dans le coin? Non, y a rien d'autre. Voilà. Enfin, faut que tu m'aides. Maman va bientôt rentrer déjeuner et tout doit être parfait. Parfait. Son anniversaire, c'est aujourd'hui. T'as encore oublié? Papa? On va jouer le jeu pour l'instant. Papa. Non, pas du tout. Mais je me souviens pas de m'être endormi. Super! Alors tu peux m'aider à tout préparer comme on a dit hier? J'ai besoin d'aide avec l'holoprojecteur. Et après, il y a le gâteau et le cadeau qu'on lui a acheté. Je veux que ce soit parfait avant qu'elle arrive. Il y a pas mal de choses à faire, quoi. Ok. Les tâches quotidiennes. Oh, waouh! Il est magnifique! C'est toi qui l'as fait? Non, je l'ai commandé sur la planète à pâtisserie. Une planète. Mais non, je l'ai fait. Ok, il ne reste plus que le cadeau. Je veux le même gâteau. Je veux le même gâteau. Papa, le projecteur. Oui, bah t'attendras. Le meilleur papa de la galaxie. C'est censé être moi. Bah oui. Là, on va apprendre qu'en fait, au final, c'est pas son père. Pas ici, mais peut-être plus tard, genre, bah en fait non, t'es pas vraiment son père. T'aurais pu, mais non. Mais bon, ça coïncide avec le moment où il était avec sa mère, donc. Elle a 12 ans, ça fait 12 ans qu'il était avec elle. Nick, enfin, il y a 12 ans, il était avec elle, tout ça. Ah, non, c'est pas normal. Il y a un problème de mise au point.
Tu peux arranger ça? Waouh! Ça rend super bien! J'étais sûre d'avoir raté un truc. Attends, c'est toi qui as fait ça? Ouais. C'est Ala et le système autour. Je crois que j'ai oublié aucune lune. C'est magnifique. Il ne manque plus que le cadeau. Il doit être quelque part dans ma chambre. Ok, bah attends, avant ça, est-ce que je peux aller là-bas, moi? Ok, donc, ça c'est le vaisseau des Nova. On est toujours sur le vaisseau de ta mère, hein? Bah, oui. T'es trop bizarre. Et encore, je crois que t'as rien vu. Ouais, trop bizarre. T'as vu que dans la précédente illusion, j'étais ma mère? Non? Alors calme-toi. Et bah, et où l'ordi? Il y avait un truc dans mon... Ah, tiens. J'y ai jamais eu le droit, moi. Mais si quelqu'un la mérite, c'est Corel. Corel. J'ai oublié son nom. Corel, ouais. Dans sa chambre, elle a dit. Rio, Kayo. Ah, c'est là. Joyeux anniversaire, tendrement, Nikki et Peter. Pourquoi je me rappelle pas de ça? Tu l'as trouvé? Ouais. Parce que ce n'est qu'illusion. Mets-le avec les autres. Super. Là. Mets-le sur la table. Où ça? Ah, ici. D'accord. Et un cadeau. Qu'est-ce que tu lui as acheté? On l'a acheté ensemble. Sur Nowhere. Tu sais, au marché où on est allé et où elle a vu ce tableau. De Krylar. Ah. Ouais. Ouais, c'est vrai. Tout est prêt? Je crois, ouais. Tu vois, quand même, comme sur ses cheveux, ça fait un peu pixelisé, donc c'est un peu mal foutu par rapport. Certes, on est sur PS4, mais quand même. Je t'aime. Ok, je. Pourquoi la porte est fermée? C'est maman. Je vais vérifier que tout est parfait. Va lui ouvrir. Ok, Jigo. Surprise! Peter? Qu'est-ce que vous faites? N'y crois pas, Peter. Ce n'est pas réel. Mais je sais, j'ai joué le jeu, c'est tout. Il n'aurait jamais dû se trouver là. Ce qu'elle a vu. Attends. J'ignore comment. Comment elle était là avec toi au moment où tu te fais contrôler? Cette chose la contrôle, mais il est possible de la sauver. Elle doit accepter ma mort. Il le faut. Donc elle est morte. C'était une des possibilités. Libère ma fille. Sauve-la. Je t'en supplie. Et au final, elle va faire... Elle va devenir une gardienne de la galaxie. Mon enfant! Sortez la matriarche de là! Allez! En rejetant la promesse, vous vous êtes montré indigne! Et vous devez être détruit! Le fight! Non! C'est faux! Qu'est-ce qu'elle nous a fait? Cette manipulation, je vais vomir! Tu vomiras plus tard, concentre-toi sur Hacker! Oula! Les derniers de la fois, ça vaut que là! Je vais te voir à l'ancienne! Mais non! Je préfère leur offrir ma lame! Où est-ce qu'ils ont emmené Nikki? Peu importe! Les traites fait toi en pièces qu'il le faut! Ça lui fait rien du tout! Quelqu'un
d'autre. Vois cette lumière. Drax, concentre-toi sur le combat. Consume. Ah, il est chiant lui. Ah, la patate. Il est pour moi celui-là. Les bastos. Ta foi ne doit pas flancher. Lâche-toi, Drax. Elle doit jouer, Gamora. Je ne vais. Si on les tue. Ok. Et badaboum. Ok, bon. Hé, hey, grand-père, tu crois que tes sbires nous font peur? Ils ne doivent pas sortir d'ici. Ok, on doit détruire d'abord les magiciens. Non, je ne laisserai pas cette ordure la reprendre. Mon cœur, vous y êtes prêts. Les enfants de cœur sont du Drax. Maintenant, Peter. C'est pas trop tôt. Ils ont la même technologie que Racker. Ils sont remplis de lumière. Ah merde. C'est quoi ce grand âme? Où est le truc là? C'est pas ça que je veux. Pourquoi s'apprête-t-il à nous? Il est où l'autre magicien là? Oh! Va falloir te réveiller un peu! Occupe-toi du style volant, il souhaite ses amis! Il est volant! Il faut le tuer, c'est pas vrai! J'ai éteint un autre allumé! Comment je peux t'aider? Je suis pas vrai! Le chef est en train de requinquer ses potes! Nous devons éliminer leur guérisseur. Ah, c'est gamin, il fait plus du costume. Ah bah d'accord, je suis tout seul. On sera bientôt. Ah merde. On volait comme ça. Bah oui, mais je suis enfermé. Comment tu veux que je réussisse à éviter leur truc? Mais les vides sont mises à l'écran. Toi, ta propulsion est à nous. Non. Notre grand chef est mort. Ouais, mais le truc, c'est que je suis trop occupé à esquiver tout ça, donc je fais pas gaffe, en fait, aux limites du terrain. Léo. Rassemblement. Ah bah ouais, mais c'est casse-couille quoi. Tu fais pas gaffe à la limite du terrain. Il y a trop d'ennemis. Les deux qui sont les plus importants, des fois ils vont au sol, donc t'arrives pas à la remarquer. Voilà, vas-y. Allez les gars, relax. Arrêtez de vous battre. On peut y arriver ensemble. Concentrez-vous sur l'ennemi en face. Détendez-vous et on profitera tous de la victoire. Ou alors, qui est avec moi? Ok. M'en fous de lui. Il faut couper le lien qui unit le prêtre volant aux autres. Et il va le payer. Ce guerrier, une force redoutable. Reculez. Faut les fumer. Bordel, c'est qui le soigne là? N'oubliez pas, vous oubliez. C'est pas vrai. Merci pour la main. Oh, on va falloir s'arrêter un peu.
prenez garde à ces attaques surpuissantes. J'ai tué celui qui vole. Il guérit les autres. Je suis prêt à tout détruire. Faut stopper la tronche de Jack. Alors il faut le tuer. C'est pas bien joué. Mais il est où? Mais il est où, bordel? Le tir dessus ne fera qu'aggraver la situation. Non. Mais il... Tu es prêt? Trouvez-moi une ouverture. Arsenal! Bonne quartier! Mais comment on fait pour... Je comprends pas le plus là, en dessous de moi, là. Il y a un petit plus là, je sais pas ce que c'est. En haut à gauche, t'as un truc... En billet de la photo de Peter, t'as une case qui s'affiche. Il y a une case qui s'affiche en fait à gauche de la. Enfin, à gauche. Je sais pas comment dire. T'as la photo de Quill ici. Et tu as le carré qui est juste ici avec un petit plus dedans. Et je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que je dois faire en fait. Il n'y a aucune touche qui me dit, voilà, c'est cette touche-là qui fait pour activer ce truc-là. Ça me dit rien. Non ! Non, mais y a pas de souci, hein. Mais bon, c'est casse-couille, là, par contre. C'est le combat casse-couille du jeu, là, j'ai l'impression. Moi, je fais des tout petits dégâts. Eux, ils me touchent, ils font... J'ai la moitié de la vie d'enlever. Refais-leur le portail. Je vais m'amuser. Après, je vais être franc, de base, ce n'est pas un jeu qui m'attire particulièrement, mais après avoir vu ce combat de boss, m'attire encore moins. En fait, le jeu, de base, avant ce moment merdique, hein, je suis désolé, il est génial. Moi, dans l'équipe, j'adore Rocket, l'humour, tout ça, et en fait, c'est respecté par rapport, je pense déjà aux comics, mais surtout aux films. C'est, ça respecte, c'est le même, quasiment le même Rocket, en fait, qu'on a. Les autres, c'est quasi pareil. Je trouve que quand même Drax est un peu différent par rapport à son parler, genre à ses paroles. J'ai l'impression qu'il est genre plus d'un sens gentleman. Genre il parle genre comme s'il avait une éducation de bourgeois ou je sais pas comment on dit en fait. Hein. Il a ça, il a son caractère, mais en même temps il a le truc déjà. Il dit à chaque fois quand il parle avec Peter, il l'appelle en disant son prénom et son nom de famille. Il dit Peter Quill. Donc déjà, il le dit jamais dans les films. Je suis sûr que dans les comics, il le dit pas non plus. Enfin bref. Mais le jeu, quand même, il est sympa. Il est beau, tout ça. Je trouve que même sur PS4, il se défend vraiment bien. Mais par contre, pour ce qui est de ce putain de combat, ce putain de boss là, mais c'est n'importe quoi. Rien ne va. Rien. Alors quoi ? Quoi ? Voilà, enfin ! Putain ! Ils ont la même technologie que Rakar ! Ils sont remplis de lumière ! Putain, je te jure. J'ai l'impression qu'il faut que j'insulte le jeu pour réussir après. Faut que j'utilise mes jeux ! Couper le contact express, hein? Ça n'aurait aucun sens. Le rapport du chien est en cours. Putain! Incroyable, quoi. On est trop exposé ici. Comment on sort? Il m'aurait pas plus de temps. Je vais juste remettre en mode normal, parce que j'ai un... Putain, mais c'est incroyable, quand même. Avec le drone, pour ça. Putain, quoi. Et prier pour trouver le centre de com. Voilà comment te sortir du jeu, t'énerver. C'est incroyable en fait, rien ne va dans ce boss en fait. Je sais comment monter. Trop sympa les gars. Voilà comment te couper du jeu au bout d'un moment. Merde ! Peut-être que cet escalier mène à la lumière. D'où tu mets des adversaires ici quoi ? Attention !
loup. On est voilà. Déjà engagés, on a toute l'église contre nous. On pourrait peut-être leur demander un vaisseau. Les gars. Bah vas-y, là tu trottines là, putain. Donc désolé pour ceux qui regarderont la rediff, hein. Désolé pour cette ce moment. C'est même pas de coup de gueule là, c'est de rage intense. Mais je suis désolé, là c'était un moment merdique du palais. Rien du tout. Tu dois faire attention à un milliard de choses en si peu de temps, quoi. C'est incroyable. Ça craint à mort. Il nous faut une issue. Alors crée-en une. Brax, frappe cette partie du mur le plus fort possible. Pourquoi? Parce qu'on va tous mourir sinon. Très bien. Ouais. J'aurais même pas dit ça. Moi, j'aurais mis une tarte dans la gueule et regarde. Tu vois ce qui nous arrive derrière là? C'est du refroidisseur de moteur à distorsion ultra toxique. On peut pas sauter là. Ah ouais, c'est le moment de l'enfer là, bordel quoi. Et ça fait même pas. Attends, ça fait combien de temps que je suis en stream là? C'est sur la sur YouTube, ça marque pas en fait. On doit continuer d'avancer. J'ai peut-être pas été clair. Si on saute là dedans, on est mort. Qu'est-ce que Drax? Drax, mon pote, ça va? Oui. Ah, ok. Eh ben c'est peut-être pas du refroidisseur finalement. Allez go. Ça chatouille. Ah, on peut même pas sauter. Allez go, vas-y saute. Bah tu sautes. Putain mais elle est con. Quill, on doit parler du fait que ta fille a essayé de nous tuer. Hacker lui a fait quelque chose. C'est sa faute. Ils ont atteint l'ancien secteur d'extraction. Non, le grand unificateur a envoyé des drones Lictor dans les galaxies inférieures. Les hérétiques ont dû être désintégrés. Flac. C'est du sang, ça, c'est... Je s'appelle Groot. Ouais, peut-être. Mais au moins, si on est perdu, ils peuvent pas nous trouver. On est fichu. On est perdu et fichu. C'est ce que je trouve mes repères. Je suis jamais monté sur un vaisseau aussi long. Suis ton instinct, ma petite. Ma petite? Bah c'est toujours mieux qu'Abomination. Quelle petite coquine. Alors, je dirais... Là, d'accord. Tiens, il y avait ça en dessous. Je s'appelle Groot. Non, la vache merde. Ah, je pensais que je pouvais aller là-haut. Elle est complètement à l'ouest. Attends. Est-ce qu'il sera utile pour autre part? C'est pas un critère de beauté. Non, c'était juste pour le déplacer, pour prendre ce qu'il y avait en dessous. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils nous bloquent le passage. Toutes ces portes. Tu sais où est la sortie, pas vrai? Je le saurais si j'avais pu passer plus de temps avec ce drone. Il doit être derrière une de ces portes. Laquelle? Bah... On peut déjà éliminer celle par laquelle on est entré. C'est une blague! C'est bon. On s'en occupe. Ces crétins nous ont pas vus. On n'a pas le temps de combattre ces gugus. On va se dépêcher de sortir de là pour sauver Nikki. On rejoint le filadon, je veux dire. Route.
Onde, mais non. Ah d'accord, faut que je trouve moi-même, d'accord. D'accord, fallait que j'aille à une porte. C'était la bonne ou pas? Est-ce que j'ai assez d'expérience? C'est pas ça que je veux. Non, j'ai pas assez, il faut que j'ai 3. Œil du cyclone. Eh merde, cul de sac, on fait quoi?